Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette toute première conférence des lauréats des prix d'excellence de l'Université du Québec. Une conférence qui va prendre une forme un peu particulière parce qu'elle se déroulera sous la forme d'une interview. Cette interview d'une quarantaine de minutes, elle va être suivie d'une période de questions, des questions que vous pourrez poser, vous qui êtes en ligne, à notre invité en utilisant la fonction questions-réponses de la plateforme virtuelle que la pandémie nous oblige à utiliser maintenant, à Noël et, je le crains, plusieurs mois encore après Noël. Je m'appelle Yannick Villedieu, je suis journaliste et j'ai notamment animé pendant de nombreuses années le magazine d'actualité et de culture scientifique de la radio de Radio-Canada, Les Années Lumière. C'est avec le plus grand plaisir que je renoue aujourd'hui avec mon métier d'intervieweur. Alors, pour cette première conférence interview, je reçois le lauréat 2020 du volet leadership des prix d'excellence en recherche et création de l'Université du Québec, Jacques de Guise, professeur à l'École de technologie supérieure. Monsieur de Guise, bonjour. Bonjour, bonjour Yannick. Alors, je dirais, un chercheur qui veut mettre le génie au service des patients, des malades, c'est le fil conducteur de vos travaux depuis plus de 40 ans parce que vous avez fait votre doctorat en génie biomédical. Est-ce que c'est une bonne façon de vous présenter ça, Jacques de Guise? Ben oui, c'est une très, très bonne façon parce que quand on veut œuvrer en technologie de la santé, c'est sûr que la première préoccupation qu'on a, ben, c'est d'être au service de la santé, de la santé de la population, de la santé des personnes. Donc, au service et très près des patients. Donc, oui, depuis tout début de ma carrière, c'est ce que j'ai voulu, ce que j'ai désiré faire. Je suis entré à Polytechnique, d'ailleurs, pour faire du génie biomédical. Et je dirais, pourquoi le génie biomédical? Qu'est-ce qui vous a attiré dans le monde de la santé? Pourquoi ça? Ah ben moi, très, très, très tôt, dès mes origines, j'ai une maman qui était infirmière, qui portait fièrement la coiffe et qui était aussi très fière de se faire appeler Garde-Lecomte. C'était Oui. son nom de jeune fille. Et j'avais aussi un papa dans l'enseignement. Donc déjà, c'était un bon départ pour me donner une ADN, là, des gènes autant du côté académique que du côté santé. Mes parents, d'ailleurs, avaient déjà travaillé là, en recherche. Ils ont fait du clonage là, au tout début. On est arrivés deux. On est arrivés. J'ai un frère jumeau identique. Donc, ça aussi, ça a été un frère jumeau qui est devenu médecin et qui est à l'Institut de cardiologie, qui est hémodynamicien. J'ai une autre sœur, Michelle, la plus jeune, qui est aussi médecin, qui est aussi cardiologue, qui a été cardiologue au CHUM maintenant, qui est à l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Et j'ai une sœur qui est optométriste, qui dirigeait la clinique d'optométrie à l'Université de Montréal. Donc, j'avais un environnement là, vraiment santé et académique. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit et vos parents, effectivement, ont fait du clonage de façon artisanale, mais très bien, très, très réussi. Alors, ce qui vous attirait dans le génie biomédical, c'était les patients, la proximité avec des patients, c'est quand même ça. Oui, et nous, on a eu le privilège dès le départ. Moi, j'ai même mes études doctorales, j'étais inscrit à Polytechnique, mais presque toutes mes études, tous mes travaux, je les ai faits à l'origine à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, où il y avait un service de génie biomédical et il y avait toute une unité de recherche aussi dans le domaine de la cardiologie, parce que j'ai fait mon doctorat en électrophysiologie cardiaque. Et déjà, on sentait qu'être sur site hospitalier, près des patients, près des professionnels de la santé, c'était très, très riche comme environnement pour travailler, pour être présent au quotidien aux problématiques de santé. Alors, un des tout premiers exemples de vos recherches en génie biomédical, c'était les enfants atteints de scoliose. C'est une déformation de la colonne vertébrale. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous intéresser à ce problème de santé qui est un problème important, mais dont on ne parle quand même pas beaucoup? Comment ça vous est arrivé, la scoliose, au fond, dans votre vie de chercheur? Bon, à l'époque, je venais de terminer un postdoc à McGill et j'arrivais comme chercheur boursier du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie à l'Université de Montréal et à Polytechnique. Et j'ai eu le privilège d'avoir une rencontre, ce que j'aime appeler un choc amoureux professionnel. J'ai rencontré deux personnes. D'abord, un chirurgien orthopédiste, Hubert Labelle, qui pratique encore à l'hôpital Sainte-Justine, au CHU Sainte-Justine, qui est chirurgien orthopédiste et qui a toujours opéré des patients de scoliose.
et un ingénieur, un professeur en génie mécanique, qui est Jean Dansereau, qui s'intéressait déjà lui aussi à l'imagerie de la scoliose. Et Hubert Labelle, le chirurgien, avait déjà, vous vous rappelez certainement, on a peut-être à peu près le même âge, des petits macs qui avaient l'air des petits tours là, sur les jeux d'échecs. Et c'était dessiner une colonne vertébrale en trois dimensions et simulait les projections qu'on pouvait voir sur une radiographie et essayait de voir comment, à partir d'une seule radiographie, on pouvait comprendre la déformation en trois dimensions de la colonne vertébrale. Et c'est lors d'une rencontre qu'on avait été invité par Gilbert Drouin à une épluchette de blé d'Inde chez lui. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, Jean Dansereau et Hubert, et on a commencé à parler de cette problématique d'imagerie médicale de la scoliose en trois dimensions. Mm-hmm. Et ça a été une superbe rencontre parce qu'on a décidé de travailler ensemble. Jean du côté mécanique, Hubert du côté chirurgie et moi qui apportais l'imagerie, la vision par ordinateur. On a commencé à travailler ensemble. On a été accueillis à Sainte-Justine. On a créé un laboratoire à Sainte-Justine qui existe toujours d'ailleurs. Et ça a été le début là, de notre intérêt pour aider au diagnostic de la scoliose. Et de l'imagerie 3D, en l'occurrence de la colonne vertébrale, ça devait être quand même très nouveau à l'époque. Ce n'était pas quelque chose qui se faisait couramment comme aujourd'hui, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Je pense qu'on a été un peu pionniers dans le contexte. D'ailleurs, moi, en l'année 2000, j'ai eu le privilège d'obtenir une chaire de recherche du Canada, dont la thématique est l'imagerie tridimensionnelle et le génie biomédical. Donc, c'était vraiment au tout début des applications en 3D et dans le domaine de l'orthopédie. Et ça, ça a changé quoi? C'est de pouvoir prendre un patient ou une patiente, de regarder sa colonne vertébrale, de la mettre en 3D et de la donner au chirurgien. Ça a changé quoi pratiquement pour le patient ou la patiente? Ben, quand on regarde une scoliose, habituellement, on prend une radiographie, qui est une espèce d'ombre chinoise là, de notre structure en trois dimensions, mais qui est une projection ombre chinoise sur un plan. Et la déformation la plus spectaculaire, évidemment, c'est quand on le regarde dans le plan frontal, quand on le regarde d'avant ou de dos. C'est là qu'on voit le fameux S là, de scoliose. Ouais. Et on a tendance, si on a seulement une radiographie, à vouloir corriger la radiographie et non nécessairement corriger la patiente ou le patient. Mm-hmm. Et il faut réfléchir en 3D. D'ailleurs, c'était la question du chirurgien, Dr. Labelle. Et on s'est dit, ben, comment on peut aller chercher cette information 3D-là, mais sans trop irradier le patient, en position debout, parce que la scoliose doit s'évaluer en position debout. Et on avait déjà les tomodensitomètres, les fameux CT scans, qui, eux, permettent d'aller chercher une certaine information 3D, mais le patient est couché et c'est immensément irradiant. Donc, on s'est dit, est-ce qu'il y aurait moyen, en utilisant des approches qui étaient connus à l'époque, la stéréophotogrammétrie. Hein? On utilise deux vues, les géographes les connaissent bien, ces méthodes-là, avec une caméra qui est positionnée à deux endroits différents par triangulation. On va chercher les profondeurs des vallées et les hauteurs des montagnes. Nous, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas de la stéréoradiographie pour aller chercher cette information 3D-là? Donc, avec seulement deux clichés, on proposait d'aller chercher cette information en 3D-là. Et on a été un peu pionniers à Sainte-Justine en proposant une méthode qui permettait de prendre deux vues du patient. C'était un peu une usine à gaz. Le patient se tenait dans une espèce de cabine calibrée. On prenait une radiographie de dos, on le tournait sur un plateau tournant de 90 degrés. On prenait une deuxième radiographie. Il ne fallait pas qu'il bouge. Puis là, on utilisait nos algorithmes de reconstruction en trois dimensions. Et ça permettait au chirurgien de préparer son intervention chirurgicale. Oui, c'est ça. Donc, ça permettait d'évaluer les déformations en 3D, d'aider au diagnostic, d'aider au choix de traitement. Est-ce que je traite par corset? Est-ce que je traite par chirurgie? De planifier l'intervention, puis surtout après l'intervention, de valider si ce qu'on avait proposé comme intervention, ce qu'on avait planifié comme intervention, on l'avait réussi ou non, et de faire le suivi du patient dans le temps. Un bel exemple, donc, du type de travaux que vous avez fait. Alors, votre bébé, Jacques de Guise, c'est un bébé qui a bien grandi depuis que vous l'avez mis au monde en 1997. C'est le LIO, le Laboratoire de Recherche en Imagerie et Orthopédie. Alors, vous êtes entré à l'ETS en 1990. Et donc, quand
quand vous proposez de créer ce laboratoire-là à l'ETS, vous êtes un tout jeune professeur. Est-ce que l'ETS achète facilement votre projet, votre idée? C'est sûr que si on se reporte en 1990, l'ETS, ce n'était pas l'institution qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas d'études supérieures. Il n'y avait pas de, d'ailleurs, c'est un peu comme pour ça que j'avais été recruté. Là, c'est pour voir comment on pouvait développer la recherche. Et quand moi, je suis arrivé à l'école, j'ai dit, moi, je suis dans le secteur de la santé. Le secteur de la santé, c'est un secteur technologique important, tout aussi important. Ce n'est pas une spécialité, le génie biomédical ou les technologies de la santé. C'est un secteur d'application, c'est un domaine d'application. J'ai dit, comme ingénieur, je pense qu'on a des choses à faire. Et moi, j'avais déjà cette collaboration-là avec l'équipe de Sainte-Justine et de Polytechnique. Et j'ai dit, moi, si je viens, on voulait me recruter comme professeur. Si je viens comme professeur, la recherche, je veux continuer à la faire dans mon domaine. Et c'est sûr qu'au début, moi, tout de suite, j'ai proposé d'être extramuros, que notre laboratoire soit extramuros, ne soit pas à l'école. J'avais eu le privilège pendant mon doctorat d'être à Sacré-Cœur. J'avais bien vu tous les avantages, le plaisir qu'on a aussi de travailler là où la technologie est utilisée. Donc, c'est ce que j'ai proposé. Au début, c'était un peu difficile parce que vous savez que l'Université du Québec, on n'a pas de faculté de médecine. Donc, il fallait aller de l'autre côté de la montagne. Mais moi, j'avais déjà ces collaborations-là. Et à peu près à ce moment-là, il y a les responsables de l'hôpital Notre-Dame, du centre de recherche, Pavel Lamette, qui était directeur du centre de recherche à l'époque, et le directeur du service d'orthopédie de Notre-Dame, Dr. John Foltz, qui connaissaient nos travaux de Sainte-Justine, qui nous ont dit, venez chez nous et créer un laboratoire qui permettrait, là, chez l'adulte, de continuer à faire de l'imagerie tridimensionnelle et des technologies de la santé, mais chez nous, toujours en collaboration avec Sainte-Justine. Et là, ça a été un superbe accueil de mes patrons à l'ETS qui m'ont fait confiance, qui ont dit « OK ». C'était compliqué au début parce que je n'étais pas sur place à l'ETS. Mes collègues me demandaient « Coudon, tu ne travailles pas, tu n'es pas là ». Puis là, ce que j'ai commencé à véhiculer, quand je suis au CHUM maintenant, quand je suis à mon laboratoire de l'hôpital, je suis à l'ETS. Je suis dans un laboratoire extramuros de l'ETS. Aujourd'hui, en 2020, c'est encore ce que je dis. Exactement. Alors, ça, c'était en 1997. Ils ont fini par dire, les autorités de l'ETS, « Vas-y donc, fais-le ton laboratoire ». 23 ans après, donc en 2020, simplement quelques chiffres, l'ETS, nombre d'étudiants, subventions, etc., c'est quoi aujourd'hui, comme schéma de ce qu'est, pas l'ETS, le LIO? Le LIO, bon, on a deux entités principales. Il y a notre laboratoire au CHUM, on est à peu près 75 personnes à travailler à plein temps. Ça comprend 8 professeurs-chercheurs, dont des professeurs de l'ETS, qui ont un statut de chercheur régulier au centre de recherche du CHUM. Ça comprend des assistants de recherche et des étudiants premier, deuxième, troisième cycle et des postdoctorants. Et on a une petite unité, une unité satellite, je dis petite, mais c'est une vingtaine de personnes qui sont installées dans mon alma mater à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, qui est le CIUS du nord de l'île, qui fait partie maintenant du CIUS du nord de l'île, où il y a une vingtaine de personnes qui travaillent dans le contexte de la traumatologie, de l'orthopédie aussi. Donc, c'est à peu près une centaine de personnes de LIO aujourd'hui. Le petit LIO est devenu grand, effectivement, parce que 100 personnes, c'est quand même du monde. Puis en 2013, vous avez emménagé dans le nouveau centre de recherche du CHUM à Montréal, un endroit merveilleux, effectivement. Et là, vous avez mis en place une plateforme de recherche en imagerie médicale. C'est quoi cette bête-là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle fait de différent? Ça ressemble à quoi? C'est pas vraiment différent d'un laboratoire. On aime l'appeler plateforme parce qu'on travaille beaucoup en intersectoriel. Donc, c'est un lieu où on a des espaces de laboratoires qu'on appelle laboratoires fondamentaux. Nous, on travaille beaucoup dans le contexte avec des outils informatiques. Hein. C'est de l'imagerie médicale, c'est de l'analyse de données complexes. Donc, on a un espace au 11e étage du centre de recherche du CHUM où on peut faire nos travaux, mais on a aussi accès à des espaces de recherche clinique. Donc, on a un laboratoire d'évaluation biomécanique complet qui comprend des systèmes d'analyse du mouvement, des systèmes de réalité virtuelle, de réalité augmentée
pour travailler avec des patients, parce que c'est un étage de recherche clinique, donc on peut accueillir des êtres humains, des patients, pour essayer d'améliorer, de comprendre l'appareil locomoteur, les blessures de l'appareil locomoteur, et de voir comment on peut améliorer les diagnostics et les traitements. Et vous êtes, c'est un laboratoire, une plateforme, comme vous dites, qui a de l'équipement vraiment d'avant-garde, j'imagine. C'est quelque chose, on est dans la haute technologie, là. Ah, c'est extraordinaire. En étant au centre de recherche du CHUM, nous, c'est 14 étages. On a accès, il y a un cyclotron au sous-sol où on peut fabriquer des radioisotopes, donc on peut travailler en imagerie nucléaire. Si on monte un peu, comme je vous le disais, on a accès aux espaces de recherche clinique. Si on monte encore un peu, on a nos espaces de recherche fondamentale. Et en plus, au-dessus de nous, on a ce qu'on appelle la plateforme d'imagerie expérimentale aussi, où on retrouve des appareils extraordinaires, des appareils UniRM 3 Tesla, des appareils de radiographie, d'angiographie qui ne sont même pas encore homologués pour l'humain, mais qu'on peut utiliser pour la recherche animale. Et on a accès aussi à une imagerie là, qu'on utilise surtout en bucco-dentaire, qui est unique en Amérique du Nord. Et on a accès à toute la plateforme clinique du CHUM pour l'accès aux patients, l'accès aux images, l'accès aux professionnels de la santé et l'accès aux patients. Oui, donc vous avez beaucoup de joujoux pour satisfaire vos projets de recherche. Ça veut dire que ce que vous me décrivez là, ça doit être quand même une plateforme, un laboratoire assez exceptionnel, de classe internationale certainement. Bon, je vous laisse le dire, mais oui, on peut le rappeler. On est reconnu maintenant de façon internationale pour plusieurs des travaux qu'on réalise. On a la chance de travailler à l'international. On a plusieurs collaborations. Moi, j'adore travailler en français. Je crois beaucoup à la recherche en français. Donc, j'ai développé des collaborations à l'international, surtout en France. D'abord à Paris, avec ce qu'on appelait à l'époque l'école nationale. C'est ce qui parle encore français, les chercheurs? Bon, on leur rappelle qu'il y a des mots qu'on peut toujours utiliser en français. D'ailleurs, on a développé une approche, on va peut-être y revenir un peu plus tard, l'approche laboratoire vivant. Mais eux, ils l'appellent l'approche Living Lab, bien évidemment. Alors nous, on aime leur rappeler que c'est l'approche laboratoire vivant. Donc, on a collaboré avec l'École nationale supérieure d'art et métiers à Paris, avec Aix-Marseille Université, avec l'Université de Lyon 1, qui est maintenant devenue l'Université Gustave Eiffel. Donc, on a des collaborations très, très riches à l'international avec... Et le LIO s'est doté dès 2011 d'un système de gestion de la qualité certifié ISO 13485. Vous trouvez que c'est extrêmement important, mais souvent, nous, on regarde ça de l'extérieur, on se dit, bon, c'est une certification, ça fait juste chic sur un laboratoire. Pourquoi c'est important, cette certification-là? Je vais rappeler rapidement que ISO 13485, c'est obligatoire, par exemple, au Canada, pour toutes les entreprises qui vont développer, qui vont distribuer des appareils médicaux, des dispositifs médicaux. C'est absolument obligatoire. C'est Santé Canada qui l'oblige. En Europe, c'est la même chose. Pour obtenir un marquage CE, la communauté européenne, c'est obligatoire. Et depuis un an aux États-Unis, la FDA exige aussi cette certification-là. Donc, dans l'industrie, c'est obligatoire d'avoir ces systèmes de qualité-là, qui sont des systèmes de traçabilité. Hein? On s'entend, là, c'est pas magique. Nous, il y a 11 ans, on a accompagné une technologie qui avait été développée dans notre laboratoire. On l'a transférée à un partenaire industriel. Et évidemment, il fallait qu'eux fassent la démarche qualité. Puis vu que tout le travail avait été fait dans notre laboratoire, une partie de la démarche de certification s'est faite dans notre labo. Et à la fin, quand l'entreprise a eu la certification, c'est l'auditeur externe, c'est un auditeur international qui nous a dit, écoutez, ça s'est pas mal bien passé dans votre labo. Pourquoi vous ne deviendriez pas ISO à votre tour? Alors, on s'est regardé, on s'est dit, peut-être. Puis là, il nous a dit, mais ça n'existe pas dans le milieu académique. Il n'y a aucun laboratoire connu pour cette norme ISO 13485 qui est spécifique aux dispositifs médicaux. Là, quand j'ai commencé à en parler autour de moi, on m'a dit, c'est impossible. Il ne faut surtout pas dire à Jacques de Guise que c'est impossible. Donc, on est parti d'une petite équipe qui avait contribué à cette démarche avec l'entreprise partenaire. Ça venait de la base aussi. On nous a dit, ça a été bien cette démarche-là. Ça nous aide à tracer, ça nous aide à conserver tous nos documents de façon systématique. Et on a fait la démarche. Et il y a 10 ans, on a obtenu cette certification-là. Et jusqu'à il y a un an à peu près, on était, à notre connaissance, un des seuls laboratoires académiques au monde à avoir cette certification-là.
Et c'est une certification qu'il faut renouveler tous les ans, je crois. Donc, c'est pas un peu lourd comme. C'est lourd, mais ça permet deux choses. Ça permet la traçabilité de tout ce qu'on fait. Hein, quand les étudiants partent, les nouveaux arrivent, on peut transmettre, on peut continuer les projets, on peut tout conserver, les documents d'éthique, les données, les versions. Vous savez, quand vous écrivez un article scientifique, ça prend 2 ans avant d'avoir le OK. Ben, des fois, on nous demande de revenir aux données, ben, on peut les retrouver, les données. Mais surtout, notre mission, c'est une mission qui est double dans nos laboratoires, une mission de contribution au nouveau savoir, mais une mission de formation de personnel hautement qualifié. Et nous, tous nos étudiants deviennent gestionnaires qualité de leur projet. Donc, ils s'approprient la norme, ils la comprennent puis ils l'utilisent au quotidien. Donc, quand ils quittent notre laboratoire pour l'industrie, ils deviennent des personnes de premier plan d'intérêt pour les entreprises qui, elles, sont obligées de faire cette démarche-là. Donc, c'est vraiment important. Alors, je rappelle à toutes les personnes qui sont en ligne en ce moment que vous assistez en mode virtuel à la conférence des lauréats des prix d'excellence de l'Université du Québec, pour laquelle je reçois Jacques de Guise, professeur-chercheur à l'École de technologie supérieure. Et vous pouvez lui poser des questions à Jacques de Guise en utilisant la fonction questions-réponses qui est au bas de votre écran Zoom. Alors, Jacques de Guise, on va continuer. Il y a une constante dans tous vos travaux aussi, depuis toujours, je dirais, c'est, on vient de l'évoquer d'ailleurs, les liens avec l'industrie. Vous ne faites pas de la recherche pour faire de la recherche, vous faites de la recherche pour avoir des applications qui seront commercialisées, qui vont se rendre, comme on dit en médecine, au chevet du patient. Hein. Est-ce que c'est une bonne façon de vous présenter ça? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Depuis le début, j'avais cette préoccupation de m'assurer que les travaux qu'on faisait dans nos laboratoires avec les professionnels de la santé, puis de plus en plus avec des patients, on pourrait y revenir, s'acheminent au chevet du patient. Et pour démocratiser jusqu'à un certain point l'accès aux nouvelles technologies, la seule façon, c'est par une commercialisation qui permette aux centres hospitaliers d'acquérir ces technologies-là. Si on pense à la recherche, on la connaît, ben, les patients qui ont la chance de faire partie de protocoles de recherche avec des critères d'inclusion ou d'exclusion très spécifiques, eux vont avoir accès à des nouvelles technologies ou des nouvelles modalités d'intervention, mais le commun des mortels n'aura pas accès à ces technologies-là. Donc, la seule façon d'y arriver, c'est par une commercialisation des produits de recherche. Et vous avez d'ailleurs une belle histoire dans votre parcours, c'est la compagnie EOS, une compagnie française avec qui vous avez des liens depuis longtemps et qui sont très particuliers. Ça c'est intéressant à raconter, l'aventure EOS. Oui, ça fait 25 ans qu'on est partenaire. C'est un bel exemple de partenariat durable. Moi, j'ai eu le loisir, j'ai eu la chance au tout début. Vous savez, on vient à la scoliose. On avait développé un prototype à Sainte-Justine et travaillant à l'international, on avait eu la chance de rencontrer un chirurgien absolument extraordinaire à Paris qui s'appelle le docteur Jean Dubousset, qui est très connu parce qu'il a donné son nom à une technique de correction de la scoliose en 3D qui s'appelle la technique Cotterelle-Dubousset. Il était deux chirurgiens, Cotterelle et Dubousset. Et lui travaillait à l'hôpital pédiatrique Saint-Vincent-de-Paul à Paris. Et dans son hôpital, il y avait un premier prototype de radiographie extraordinaire qui était basé sur des travaux de Georges Charpak, le prix Nobel français de physique, et qui permettait de prendre une radiographie à très faible dose de radiation. Charpak avait eu son prix Nobel grâce à une chambre à fil, donc un détecteur de particules absolument extraordinaire qui était très sensible aux photons. Et il y a des chercheurs en Sibérie, à Novosibirsk, qui avaient proposé d'utiliser sa chambre à fil pour faire des radiographies, entre autres pour les femmes enceintes à l'époque, qui permettaient de réduire de facteur 10 la dose de radiation. Et il y avait un de ces prototypes-là qui était installé à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris, dans le service de Dr Dubousset. Et lui nous a dit, il connaissait un peu notre usine à gaz qu'on avait à Sainte-Justine pour prendre les radiographies. Puis la cabine de Charpak, ça ressemblait à notre dispositif de Sainte-Justine. Il nous a interpellés en disant, ben, est-ce qu'on peut faire ce que vous faites en 3D avec le dispositif de Charpak? Puis à l'époque, ben, j'ai eu le privilège d'aller passer une année, en année sabbatique, là, à Paris, à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul et à l'École nationale supérieure d'art et métier. Et ensemble, on a démontré d'abord qu'on pouvait utiliser les détecteurs de Charpak pour nos approches, mais ça prenait deux vues. Ça prenait la vue de face et la vue de profil. C'était un système à seulement une vue. Puis on a convaincu Georges Charpak et son entreprise qui commercialisait là, ses brevets, de se lancer dans l'aventure d'une imagerie biplan.
Donc, simultanément, être capable de prendre deux vues de face et de profil au lieu de placer le patient sur un plateau tournant. Et on a proposé les premiers prototypes du système EOS, qui maintenant est dans 350 sites à travers le monde, dans 30 pays différents, et des millions de patients qui bénéficient de cette technologie-là. Et on continue à travailler avec l'entreprise pour améliorer cette technologie-là, qui est à très faible dose de radiation, très grande qualité d'image, et qui répond à nos besoins. On est vraiment dans les applications très, très... Et EOS, d'ailleurs, a créé une filiale à Montréal. Oui, au départ, c'est une entreprise française. Puis, on s'entendait tellement bien, les chercheurs et les chercheurs de l'entreprise, parce que dans cette entreprise-là, il y a aussi des chercheurs. On s'entendait tellement bien qu'ils se sont dit, ça serait bien de se rapprocher de vous. Ça leur donnait une porte d'entrée pour l'Amérique du Nord aussi, bien entendu. Et ils ont créé une filiale à Montréal. Et on continue à travailler avec la maison mère en France et avec la filiale à Montréal qui nous engage régulièrement des étudiants. Là, on a 4 étudiants là, qui maintenant sont des employés de EOS Montréal. C'est une vraie belle histoire. Bon, vous avez aussi des relations avec de nombreux autres partenaires industriels. On ne pourra pas tous les citer, il y en a beaucoup. Mais il y a un exemple que j'aimerais évoquer parmi toutes vos recherches, c'est le système NIKG pour l'analyse 3D du genou. Ça fait quoi ce système-là? Oui, ça aussi, c'est une belle petite histoire, si vous me permettez. On avait un chirurgien orthopédiste. On essaie de partir des besoins du personnel, des patients ou des professionnels de la santé. On avait un chirurgien qui voulait améliorer ses chirurgies du ligament du genou. Et le docteur Duval, qui était à Notre-Dame à l'époque, et qui nous disait, je veux comprendre pourquoi, des fois, quand je place mes ligaments pour réparer là, les ruptures ligamentaires au niveau du genou, pourquoi des fois ça marche bien puis des fois ça marche pas bien. Je veux comprendre la cinématique. Je veux comprendre le mouvement du genou. Le mouvement du genou, c'est un mouvement complexe. C'est pas seulement une rotation autour d'un pivot, mais c'est les 6 degrés de liberté qui entrent en jeu. C'est un design assez spécial, le genou. Hein? C'est une sphère qui vient se placer sur un plateau tibial, une sphère du genou. Donc, c'est parfaitement instable. Donc, ça prend tout un système de haubanage pour tenir ça. Et lui, il voulait comprendre la fonction du genou puis comment améliorer sa chirurgie. Alors, pour ça, nous, ça prenait un système qui va mesurer de façon précise en 3 dimensions et en mouvement l'articulation du genou. Et la seule façon à l'époque qui était possible de faire, c'était d'enfoncer des broches par chirurgie dans les os du genou, placer des capteurs de mouvement puis aller chercher ce mouvement-là. Évidemment, je ne pense pas que vous seriez venu comme patient, partenaire dans notre laboratoire, puis on n'aurait pas eu beaucoup d'étudiants volontaires non plus. Donc, on a développé un harnais, une attelle, un exosquelette qui vient se fixer de façon quasi-rigide aux os du genou et qui permet d'aller chercher ce mouvement en 3 dimensions-là du genou. Et c'est devenu le NIKG en anglais, le Knee Kinematics Graphics. C'est un clin d'œil à EKG en anglais, qui est l'électrocardiogramme, parce que quand on regarde les signaux qui sortent de cette analyse de mouvement-là, ben, ça ressemble à des signaux d'électrocardiogramme. C'est d'ailleurs un médecin de médecine sportive qui nous a dit, moi, là, aidez-moi à comprendre ces signaux-là. Pour moi, ça ressemble à un EKG, là, à un électrocardiogramme. Ben, un EKG, ça fait Knee KG, Knee Kinematics Graphics. En français, on le traduit maintenant par genou-graphie. Et on a confié cette technologie-là à une jeune entreprise montréalaise, il y a une douzaine d'années, qui s'appelle Emovi, avec qui on continue à travailler. C'est un autre bel exemple de partenariat durable et qui propose maintenant toute une technologie puis une façon d'examiner le genou en 3D et en mouvement, sans imagerie. Ce qui est merveilleux. Vous avez d'ailleurs 2 porte-parole pour cette technologie-là, qui sont des gens qui ont besoin de leurs genoux, hein, je pense. Oui, c'est ça. Récemment, l'entreprise a eu le bonheur là, d'aller de s'occuper jusqu'à un certain point. Moi, je ne suis pas dans l'entreprise, donc la petite histoire, je la connais un peu moins bien, mais ce que je comprends de ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu Bruno Surin d'abord, qu'on connaît tous et toutes là, pour ses champion olympique du 100 mètres, oui. Olympique à la course, et aussi Laurent Duvernay-Tardif, qui est bien connu aussi grâce à Kansas City et la victoire au Super Bowl de l'année dernière. Ben, ces 2 personnes, là, ces 2 sportifs qui ont eu des problèmes aux genoux, qui ont besoin de leurs genoux, et ils ont bénéficié de cette genou-graphie-là. Et ont décidé, ils étaient tellement contents des diagnostics et de l'aide à la réadaptation qu'on pouvait retrouver avec cette technologie-là, qu'ils sont devenus des porte-parole officiels
de la technologie et de l'entreprise. Alors donc, effectivement, vous, les retombées de ces recherches sont vraiment absolument incroyables. Le Québec, c'est un endroit où on fait du partenariat université ou recherche-industrie. Et vous dites que c'est un endroit, c'est presque le paradis de ces partenariats-là. En quoi? Alors, je suis tellement content que vous me posiez la question. C'est le Québec et le Canada, on a des programmes de recherche qu'on appelait coopératifs ou de recherche de partenariat université-entreprise, où pour chaque dollar qu'une entreprise est prête à mettre dans un projet, on a des organismes subventionnaires comme le Conseil de recherche sciences naturelles et génie au Canada, comme ici au Québec, MedTech, par exemple. Et pour chaque dollar qu'une entreprise est prête à mettre, si le projet montre qu'il y a des percées scientifiques à faire, que c'est de la recherche universitaire, que c'est de la recherche de haut niveau, qu'il y a de la formation de personnel hautement qualifié qui peut être faite autour de ces projets-là, on peut ajouter 3 dollars supplémentaires au dollar de l'entreprise, ce qui fait déjà un beau ratio, 1 dollar pour 4 dollars au total. C'est un bon retour sur l'investissement, effectivement. Un très bon retour sur l'investissement. Et les entreprises qui sont canadiennes peuvent se retourner vers les crédits d'impôt à la recherche pour s'en faire rembourser jusqu'à 60 %. Donc, ça coûte 40 sous pour avoir 4 $. C'est un effet levier de 10. Il y a nulle part au monde où on retrouve des effets leviers comme ça. Et ça permet, au lieu d'avoir un étudiant qui travaille sur un projet, ça permet d'avoir toute une équipe de recherche qui permet de remplir nos missions. Je le rappelle, j'ai déjà dit un peu plus tôt, nos missions universitaires, ce n'est pas de s'enrichir avec l'innovation, même si on est en partenariat avec l'entreprise, c'est de former du personnel hautement qualifié et de contribuer au nouveau savoir. L'entreprise partenaire, elle, si elle a un succès commercial grâce à notre travail ensemble, mais elle va, on espère, avoir un succès commercial et ça va entraîner le fait qu'on va avoir des partenariats durables. Et nous, c'est ce qu'on a vécu avec EOS depuis 25 ans, avec eMovie depuis 12 ans, puis avec plusieurs autres entreprises avec qui on a le privilège de collaborer. Alors, on vient de l'évoquer, mais vous avez une autre constante de votre parcours de chercheur, c'est la collaboration avec de nombreux partenaires au Québec, au Canada, en Europe, en France spécialement. Donnez-moi juste un petit échantillon de cet éventail de partenariats que vous avez. Bon, en France, beaucoup, parce qu'effectivement, c'est agréable d'aller en France quand on peut voyager, mais enfin, il n'y a pas que ça. Au Québec, à Montréal, d'abord. Vous voulez connaître les noms des entreprises ou des partenariats? Oui, quelques partenariats, effectivement. Ah oui, ben, j'ai déjà évoqué EOS et eMovie. On travaille avec une compagnie française, elle, qui a aussi créé une filiale à Montréal qui s'appelle Useful Progress System. Et on travaille sur une technologie italienne maintenant qui est installée ici à Montréal. On travaille avec Bodyform 3D pour un projet sur l'évaluation des brûlures sévères, qui est une toute petite entreprise qui est actuellement là, en train d'être accélérée dans au Centec, qui est l'accélérateur d'entreprise de l'ETS. Je ne veux pas en oublier. J'en ai déjà nommé quelques-unes. On collabore avec Polytechnique, on collabore avec les diverses institutions hospitalières et avec des institutions en France. Oui, donc beaucoup de collaboration, c'est votre image de marque un peu. L'autre chose qui est importante pour vous, qui êtes un universitaire, c'est la formation. Hein. La mission académique, vous dites, c'est de contribuer au savoir, d'une part, mais c'est aussi de former des cerveaux. Et des étudiants, vous en avez formé beaucoup. Hein. Ça, c'est important pour vous, ce parcours-là d'universitaire formateur de cerveaux. Ben, tout à fait. Je voulais juste revenir, j'ai oublié deux partenaires qui sont importants, là, québécois, Medicus, qui est bien connu, là, c'est pour où on retrouve les orthèses, et Spinologics, là, qui est une entreprise là, qui s'intéresse à l'instrumentation chirurgicale. Mais pour répondre à votre question, oui, la formation étudiante, c'est pour ça qu'on est là. Et professeurs d'université, on n'est pas là pour nous, on est là pour former des étudiants. Et la recherche, l'innovation, c'est une des superbes façons de former des étudiants à des réalités où on a besoin d'entendre des problèmes, de comprendre des problèmes, de trouver des solutions en partenariat avec les différents acteurs et d'amener le plus loin possible ces innovations-là. Et c'est une formation qui est essentielle et c'est ça notre raison d'être, c'est la formation. Mais simplement, si vous avez le chiffre en tête, combien vous avez formé d'étudiants, maîtrise, doctorat, postdoc? Moi, je suis tellement pas bon dans les chiffres. Là. Il aurait fallu que je le note. Là. Vous me prenez en cours, mais il y en a certainement une cinquantaine au moins là, qui sont passés là, dans nos laboratoires depuis toutes ces années.
Mais c'est un partenariat, hein, on est plusieurs à les former ensemble, mais c'est beaucoup, ouais. Et ils trouvent très vite un emploi. Vous dites des fois qu'ils trouvent trop vite un emploi. Ben ça, c'est la rançon de la gloire. Oui, nos étudiants trouvent très rapidement un emploi. Moi, je ne connais pas de chômeurs là, qui sont passés par notre laboratoire. Et souvent, étant donné qu'on est en partenariat avec les entreprises, les étudiants ont la chance de connaître l'entreprise, d'aller faire des stages en entreprise, de répondre aux besoins de l'entreprise en même temps qu'on répond aux besoins académiques. Et la plupart se placent. On a un étudiant au doctorat là, qui vient de soutenir sa thèse il y a quelques semaines avec brio et qui travaillait déjà depuis plus d'un an. D'ailleurs, ça a été un peu plus difficile, excuse-moi, Benjamin, ça a été un peu plus difficile à terminer, mais il a terminé avec brio, parce qu'il y avait déjà un emploi dans la compagnie chez EOS, entre autres. Alors, je rappelle aux personnes qui sont en ligne pour nous écouter, pour nous regarder, que vous pouvez poser des questions. Dans quelques minutes, on va y répondre. Jacques Louise, depuis le début de cette interview, je cherche des façons de vous présenter, de définir votre parcours. Puis j'en ai trouvé une dans un de vos textes. Vous êtes un spécialiste, alors je cite, de la modélisation morpho-fonctionnelle des systèmes biologiques. Ça veut dire quoi, ça, en termes clairs et simples? Ah, c'est une bonne question. C'est plus facile de l'énoncer que de répondre, mais oui, l'évaluation morpho-fonctionnelle des systèmes biologiques. Notre anatomie est complexe, notre anatomie est fonctionnelle, hein, on bouge, on réalise des activités. Moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est l'appareil locomoteur. Donc, la modélisation morpho-fonctionnelle, il faut aller chercher pour la personnaliser, il faut aller chercher la géométrie, l'anatomie. Donc, l'imagerie nous aide beaucoup à ça. On a besoin d'outils de modélisation géométrique, de conception assistée par ordinateur, de vision par ordinateur pour aller chercher cette information-là. Une fois qu'on a cette information-là, on veut comprendre comment l'articulation de l'épaule, du genou, de la colonne vertébrale fonctionne. Donc, on a besoin de moyens mécaniques de modélisation parce que souvent, on veut connaître les propriétés mécaniques, on veut connaître les contraintes. Si on veut créer une nouvelle prothèse, on veut connaître les chargements que va avoir à subir ces prothèses-là. On veut, comme je vous le disais tantôt, évaluer la signature du mouvement du genou. Donc, c'est toute cette analyse morpho-forme, hein, morphologie, fonctionnelle, fonction. Donc, ce n'est pas juste l'image, mais c'est la fonction. Puis, on essaie de combiner ces approches pour mieux diagnostiquer, mieux accompagner, mieux traiter, mieux évaluer. Alors, on a parlé de la colonne vertébrale, on a parlé du genou. Aujourd'hui, en 2020, les systèmes biologiques qui vous intriguent encore, ou qui sont des casse-têtes, ou qui sont des priorités, ou des grands défis dans votre discipline, ça serait quoi à part le genou et la colonne vertébrale? Ben là, on commence beaucoup à s'intéresser à l'épaule, hein, parce qu'on est des joueurs de tennis, de badminton, et rapidement, des fois, il peut y avoir des problèmes au niveau de l'épaule. Colonne cervicale, tout ce qui est bucco-dentaire. On a un super projet où on accompagne les patients là, qui ont été défigurés par des cancers tête et cou. On a une jeune orthopédiste là, qui vient de commencer à travailler sur la cheville. Donc, tout le corps humain, tout le corps humain, on a des applications même aussi au niveau vasculaire, on a des applications au niveau cérébral maintenant, on s'en tient pas seulement au système musculo-squelettique. Mais encore une fois, on essaie de partir des questions qui nous sont posées par nos partenaires cliniques. On travaille en mode laboratoire vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire intégrer tous les acteurs de l'innovation, de la genèse du projet. Et nous, ayant la chance d'être sur site hospitalier et universitaire, notre façon de travailler, c'est d'attendre les questions de nos collègues cliniciens, de s'assurer qu'on répond à un besoin académique, qu'on va pouvoir créer un nouveau savoir et de travailler ensemble à essayer de solutionner ces problèmes-là. Donc, encore bien du pain sur la planche. Vous n'avez pas fini de Non. vous amuser avec vos jouets électroniques et informatiques. Juste avant de terminer cette interview, il faut évoquer quand même un autre de vos grands projets, c'est le futur pôle en santé de l'École de technologie supérieure. C'est vous qui allez le piloter, ce pôle-là. Ça va ressembler à quoi, cette entité-là? C'est quoi exactement? Écoutez, c'est très, très nouveau, là. On s'est rendu compte très récemment qu'il y avait presque au-delà de 35 professeurs à l'ETS, dont les technologies de la santé ou la santé en général
Ça peut être l'environnement bâti, là, c'est pas juste la maladie puis la réponse à la maladie, mais c'est tout ce qui nous permet de se garder en santé de la naissance jusqu'à notre dernière respiration. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 35 professeurs, plus que 35 professeurs qui étaient intéressés par ces aspects-là. Et on s'est dit, avec l'expérience qu'on a depuis plusieurs années dans le domaine de la santé, grâce à des partenariats uniques, par exemple, comme avec le CHUM, ben, pourquoi pas mettre de l'avant et créer ce qu'on appelle pour le moment ETS Santé, qui va permettre de former des professionnels, des ingénieurs, dans un environnement puis dans une façon de penser intersectorielle pour pouvoir créer des ingénieurs de demain qui vont être conscients que la santé, ben, c'est un... Puis vous êtes au courant de ça, vous avez écrit deux magnifiques livres qui ont été vraiment inspirants pour moi, qui vont contribuer à la santé dans tous ces aspects. C'est important de rester en santé, c'est important de la conserver, cette santé-là. Et c'est important de prendre la... d'utiliser les outils de la science hein, pour effectivement faire des progrès. Alors, je vous remercie infiniment, Jacques de Guise, donc professeur à l'ETS, l'École de technologie supérieure. On va passer maintenant à des questions, parce qu'on a eu effectivement plein de questions qui sont arrivées. La première, Céline, posée par Céline Poncelin de Raucourt, qui dit... pour un chercheur dans le domaine de la santé au début de carrière dans le réseau UQ qui n'a pas de faculté de médecine, comme on l'a dit, quel conseil lui donneriez-vous pour développer sa carrière? Tout simplement, ou simplement, c'est un défi, s'approcher des lieux d'usage, se rapprocher des hôpitaux, s'approcher des professionnels de la santé, s'approcher des organisations pour lesquelles on a besoin de recherche. Et on sait aujourd'hui comment on a besoin de données probantes, comment on a besoin de s'appuyer sur la science, et dans le domaine de la santé, c'est important. C'est de ne pas rester seul dans son laboratoire universitaire. C'est de sortir de son zone de confort et d'aller vers les personnes qui ont un besoin. Et là, il y a un foisonnement d'occasions qui permettent de débuter une carrière et peut-être de s'associer à des groupes un peu plus établis, comme notre LIO. Voilà, c'est ça. Donc, la porte est ouverte éventuellement. Une autre question. Sur l'ensemble des étudiantes et étudiants que vous avez formés, combien sont maintenant des partenaires majeurs de vos travaux? Et est-ce que vous essayez de privilégier ces partenariats-là? Ben, beaucoup sont des partenaires. Beaucoup, comme je le disais, sont allés dans l'entreprise. Il y a des belles histoires à raconter aussi. Nous, il y a des générations même avec qui on continue à travailler. J'ai une bonne collègue qui a été une de mes premières étudiantes au doctorat, Nicolas Gemeister, pour ne pas la nommer, et qui est maintenant professeure à l'ETS et chercheur au LIO, à qui on a confié tous les travaux sur la génographie, par exemple, et qui fait un travail absolument extraordinaire, indépendant là, de moi, ce que je peux faire. Et elle a dirigé un étudiant extraordinaire qui s'appelle David Labbé, qui est devenu professeur à l'ETS dans un autre département. Donc, c'est la troisième génération qui est chercheur. Vous êtes comme grand-père. Vous êtes comme grand-père. Oui, je suis un grand-père. Et qui travaille avec tous les outils de la réalité virtuelle, la réalité augmentée. C'est toutes des choses qu'on ne faisait pas. Et qui amène maintenant ses contributions pour l'amélioration là, des personnes handicapées. Alors, c'est voilà. Il y a une question maintenant de Oliva, je pense. Comment l'intelligence artificielle... C'est peut-être une grosse question, mais on peut peut-être y répondre rapidement. Comment l'intelligence artificielle va amplifier vos résultats de recherche? Est-ce que vous utilisez, au fond, cette approche-là de l'intelligence artificielle? Oui, ben c'est majeur. C'est un outil. Moi, je pense qu'il faut démystifier un peu l'intelligence artificielle. C'est un outil. Nous, on a la chance d'avoir accès à des données. On a la chance d'avoir accès à des milliers de radiographies, à des milliers de diagnostics. Je parlais des signaux de la génographie. C'est des données complexes, c'est beaucoup de données et les outils d'intelligence artificielle nous servent maintenant pour automatiser, pour accélérer, pour mieux diagnostiquer, pour mieux prédire, pour mieux comprendre. Mais c'est des outils. Je faisais allusion à Benjamin Aubert qui vient de terminer sa thèse de doctorat il y a quelques semaines. Ben, lui, avant, quand on voulait faire nos reconstructions 3D de la colonne sur deux vues, ben, on utilisait l'ordinateur pour nous aider, mais ça prenait quelqu'un qui venait indiquer à l'ordinateur où étaient les repères anatomiques les plus importants pour obtenir ces reconstructions 3D-là. C'est tout un défi d'avoir la 3D à partir de seulement deux vues.
et ça prenait 10 minutes, 15 minutes. Et maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, à l'approche de l'apprentissage profond, bien, complètement automatiquement, en quelques secondes, on obtient cette reconstruction-là avec la même précision que si un expert avait pris plusieurs minutes à faire. Ça n'enlève pas de travail. Ça permet aux chirurgiens, aux techniciens en radiologie de se pencher sur le vrai problème du patient qui est sa déformation et comment je vais la diagnostiquer, comment je vais la traiter, puis comment je vais faire un suivi du traitement. Mais ça permet d'automatiser les tâches qui sont fastidieuses, qui sont chronophages et sujettes à erreur parce que ça prend l'interprétation humaine. Il y a toujours un humain en arrière qui regarde le résultat, qui est critique, qui dit non, ça ne va pas, il faut. Donc, mais c'est un outil. Comme avant, c'était on fait de l'apprentissage statistique depuis toujours, on fait des algorithmes depuis toujours. Hein, même les Grecs, les Égyptiens avaient des algorithmes. Ben, nous, on a des machines là, qui permettent de les faire de façon un peu plus performante. L'ordinateur apprend et il vous libère, comme vous dites, d'activités chronophages, c'est un beau mot. Sous question de la même personne, est-ce que c'est plus difficile en étant extrême grosse, donc pas à l'ETS, de recruter des étudiants de premier cycle pour poursuivre vos études supérieures dans votre équipe? Pour notre part, on est chanceux, non. Pas pour notre part, parce que moi, je continue à enseigner à l'ETS. Et ben, notre laboratoire, il est connu, il fait du bruit, c'est beaucoup de bouche à oreille. On ne fait pas vraiment. C'est rare qu'on ait à faire un recrutement spécifique, qu'on ait à afficher un projet ou un recrutement. On est connu de plus en plus. On est présent sur beaucoup de plateformes. On participe aux portes ouvertes, par exemple, de l'ETS. J'ai rencontré des étudiants superbes grâce aux portes ouvertes où on me pose la question, qu'est-ce que vous faites, M. De Guise? Ben là, vous voyez que je peux parler avec enthousiasme de notre travail. On a la chance d'être au CHUM et je parle de ça, puis on recrute. Puis là, ben, ça fait boule de neige. On n'a pas de difficulté de recrutement. Et il y a une question qui ressemble un peu à ça d'une autre personne, spectateur anonyme, d'une autre personne. Est-ce qu'il y a des défis particuliers à faire cohabiter les pratiques de recherche du génie et de la médecine qui ne sont pas spontanément considérés comme des domaines parents? Ça, c'est vraiment une question qui va directement dans votre vie et dans votre vision. C'est un défi, mais ce qu'on a à apprendre, c'est à travailler en interculturel, disons-le comme ça, en intersectoriel. Chacun apporte son savoir technique, son savoir scientifique, son savoir clinique. Je veux absolument parler des patients aussi. Les patients, maintenant qu'on essaie d'intégrer de plus en plus dans nos équipes de recherche, vont arriver avec leur savoir expérientiel. Donc, c'est surtout un travail d'écoute, de confiance et d'acceptation qu'on ne connaît pas tout et qu'on peut avoir confiance dans les personnes avec qui on a envie de travailler. Bon, c'est l'idée, moi, je ne deviens pas un docteur. J'ai mon frère jumeau qui l'est, je n'ai pas besoin de l'être. Mais au-delà de ça, je ne deviens pas un médecin. Mais la technologie, on peut comprendre le domaine d'application. C'est tout aussi complexe travailler en aéronautique ou en structure. Maintenant, ça prend ces approches intersectorielles et multidisciplinaires. Oui. Une autre question de Mme Poncelin de Raucourt. C'est une question intéressante. Vous allez voir, on va voir ce que vous allez répondre. Votre laboratoire est au cœur d'un établissement de santé. Vos partenariats sont mondiaux. Vous avez dû être courtisé. Quel attachement et quelle valeur ajoutez-vous à votre rattachement à l'École de technologie supérieure? Moi, ça a été un des meilleurs choix dans ma vie d'aller à l'École de technologie supérieure. Rappelons qu'en 90, c'était une jolie école petite qui donnait son premier titre d'ingénieur en 1990. Quand moi, je suis arrivé, je ne suis pour rien. C'était la première fois qu'on donnait le titre d'ingénieur à un gradué de l'École de technologie supérieure. Et il y avait tout à faire. Il y avait déjà une très bonne base. C'était génie pour l'industrie. Moi, je voulais travailler en application et on m'a fait confiance. Et on a pu construire les programmes de maîtrise, les programmes de doctorat, notre laboratoire extramuros. On m'a fait confiance. Et moi, ben, j'ai retourné cette confiance-là en disant, ben, regardez, on peut peut-être créer quelque chose. Donc, pour moi, je suis tatoué ETS. Je suis tatoué aussi Poly parce que j'ai étudié à Polytechnique. Je suis un gradué de Poly. Fait que ça nous permet de collaborer.
On ne se voit pas comme des compétiteurs. On se voit comme complémentaires et allons travailler avec les gens qui peuvent apporter aux problématiques de santé. C'est ça qui est important. Et justement, Jacques Deguy, vous avez parlé de Polytechnique et de l'ETS. De l'ETS. L'ETS a eu un petit peu de mal au début à faire sa place en disant l'ETS va faire des ingénieurs, des vrais ingénieurs. L'ETS maintenant a acquis quand même ses lettres de noblesse et sa place. Il n'y a plus de problème avec un ingénieur de l'ETS qui est aussi bon qu'un ingénieur de Polytechnique. Ouais, on a des formations qui sont à peu près équivalentes pour ce qui est du génie. On est, c'est un bureau canadien qui accorde là, et qui évalue régulièrement les programmes de génie à travers le Canada. Et l'ETS, comme Polytechnique, comme toutes les autres institutions qui donnent des diplômes d'ingénieurs, qui descendent des diplômes d'ingénieurs, doivent respecter ces normes-là et on est audité régulièrement. Et on a nos façons de faire. Nous, on accueille des étudiants qui viennent surtout du milieu technique. On a une filière de valorisation du cégep technique. Hein? D'ailleurs, moi, c'est paradoxal. Je n'aurais pas pu être étudiant dans l'institution où je suis professeur parce que moi, je suis passé par les cégeps là, classiques. Je ne suis pas un technicien d'abord. Mais maintenant, on accepte même des étudiants qui viennent du milieu classique, du cégep non technique, en leur donnant une propédeutique. Avant, on leur demandait d'aller faire une troisième année dans le cégep technique. Aujourd'hui, bien, on les accueille en propédeutique. Ils sont à l'université, comme tous leurs amis qui graduent et qui s'en vont à l'université. Ces étudiants-là viennent à l'ETS, ont une propédeutique d'une première année pour les mettre à niveau parce que technicien, ça veut dire savoir-faire, hein? Ça veut dire être capable de manipuler. Ce n'est pas juste des aspects théoriques, c'est des aspects concrets, pratiques. Donc, on leur donne cette petite différence-là qu'ils n'ont pas eue au cégep. Et ensuite, on continue dans le cours d'ingénieur. Puis, on a notre tradition de génie pour l'industrie. Donc, avec des stages coop à chaque année, stages obligatoires, rémunérés de 4 mois en entreprise. Donc, on a notre couleur particulière. On forme des ingénieurs à titre d'ingénieur, mais avec leur couleur particulière. Mm-hmm. Et tout aussi bon aujourd'hui. Je ne dirais pas meilleur parce que j'ai mes collègues de Polytechnique qui sont peut-être à l'écoute, mais tout aussi bon que toute autre institution qui descend des diplômes d'ingénieur. Et d'ailleurs, je dois dire que j'ai le fils de mes amis qui vient d'entrer à l'ETS cette année. Il avait le choix entre n'importe où parce qu'il était très brillant. Il a choisi l'ETS parce qu'il a senti qu'il y avait une vocation entrepreneuriale dans son domaine et que ça l'intéressait beaucoup, cette dimension-là, appliquée entrepreneuriale. Tiens, une question, on a parlé des fameuses normes ISO. Est-ce qu'à partir du moment où vous avez implanté ces fameuses normes, vous avez pu observer un impact positif majeur sur vos partenariats, une augmentation significative, par exemple, du nombre de partenariats? Je ne pourrais pas dire qu'on a vraiment mesuré l'impact spécifique de l'implantation de cette norme ISO-là. Nous, c'est sûr que ça nous est utile. Moi, je m'en sers au quotidien pour la gestion de mes projets, comme tous mes assistants de recherche, comme tous les étudiants. Mais encore une fois, nous, c'est au niveau de la formation. On voulait donner aussi une formation adéquate. On voulait les préparer pour l'industrie, un génie pour l'industrie. Et c'est obligatoire dans notre industrie d'avoir cette démarche qualité-là. Nous, ça nous intéressait. On n'a pas mesuré, mais on est convaincu que ça a un impact, en tout cas au niveau formation, puis aussi au niveau traçabilité, transfert, accélération du transfert vers nos partenaires. C'est rare qu'un ingénieur va dire ça, qu'un chercheur va dire ça. Je touche du bois. On n'est pas en peine aujourd'hui d'aller chercher des partenaires, parce que je pense que nos partenaires sont contents, nos partenaires sont ravis de travailler avec nous. Et encore une fois, c'est des partenariats durables. Donc, ça veut dire qu'il y a un intérêt à continuer à travailler avec nous. Et ISO, il est pour quelque chose, certainement. Une autre question. Le temps file, mais on peut encore en prendre quelques-unes. Attendez un petit peu. Il y a beaucoup de femmes en génie biomédical. Oui. Vous pouvez développer un peu ça? Oui. Ben c'est intéressant parce que la santé... autant le génie, il y a une certaine époque, mais là, c'est en train de changer. Autant le génie, c'était vu là, comme un travail masculin. Moi-même, au départ, là, moi, je voyais un ingénieur comme quelqu'un avec un casque blanc sur un chantier que je respecte énormément, mais moi, c'était pas ça qui m'intéressait, c'était la santé.
autant ça attirait les hommes, autant maintenant ça attire les femmes, ça, et de plus en plus. Et le domaine de la santé est encore un domaine qui est très riche, évidemment, pour l'ensemble de la société. Et c'est une des façons d'attirer, je pense, des femmes. On a plusieurs femmes étudiantes, plusieurs femmes professeurs, plusieurs femmes assistantes de recherche, postdoctorantes. Et ça crée des milieux là, extraordinaires. Et de toutes les provenances. Et puis, il y aurait encore une autre question. Est-ce qu'il y a des innovations que vous avez faites dans le domaine biomédical qui ont eu ou qui pourraient avoir des applications ailleurs que pour le domaine biomédical, que pour le corps humain? Oui, parce que nous, les outils qu'on utilise, on les applique à des données, hein, que ce soit des images, que ce soit des signaux, là, quand je parlais de la génographie, pour donner que ces exemples-là, si on a d'autres types d'images à traiter, si on a d'autres types de signaux à traiter, bien, pourquoi pas utiliser aussi ces approches-là? Donc, oui, puis il y a plusieurs de nos étudiants qui ne vont pas nécessairement après dans des industries, des technologies de la santé, mais qui vont aussi aller ailleurs. On en retrouve chez Dassault, on en retrouve dans d'autres entreprises qui ne sont pas du secteur de la santé. Donc, oui, mais c'est sûr que moi, au début, j'avais des projets qui étaient un peu en dehors du secteur, mais c'est tellement passionnant, les questions qui nous viennent du monde de la santé, qu'on a décidé de surtout s'intéresser à ces problèmes-là qui nous viennent du domaine de la santé. Moi, j'aurais une dernière question, Jacques de Guise. Bon, vous êtes dans un domaine de haute technologie, on s'entend, l'imagerie médicale. C'est un domaine où les technologies, évidemment, ont évolué de façon fabuleuse depuis une quarantaine d'années que vous êtes dans le domaine, depuis votre doctorat, postdoctorat. Doctorat à l'École polytechnique à Montréal, postdoc à l'Université McGill, hein. Oui. Dans les années 80. Est-ce que vous pouvez nous donner une image du changement entre votre petit ordinateur, le fameux Mac, dont tout le monde se rappelle, et ce que vous avez aujourd'hui? Ça doit être fabuleux. Encore une fois, je suis content. Ça, c'était pas préparé comme question. Mais oui. Moi, j'ai fait mon cours d'informatique avec des cartes perforées. Où on écrivait nos programmes sur cartes perforées. C'était absolument pas écologique. Quand on faisait une erreur de frappe, on jetait la carte, on recommençait. Il fallait, si on échappait notre pile de cartes, c'était fini. Il fallait tout recommencer parce qu'on n'avait pas mis le numéro de séquence pour aller. Et on faisait la file à la lectrice de cartes, on faisait la file à l'imprimante. J'ai commencé comme ça. Mon projet de fin d'études, je l'ai fait dans le domaine du génie biomédical. Je voulais mesurer des temps de réflexe à des stimuli visuels. J'ai fait ça avec un petit microprocesseur que j'ai soudé moi-même. Il y avait 256 bytes de mémoire. Je ne parle pas de kilo-octets, je ne parle pas de gigabytes, de terabytes, puis là, je ne sais plus à combien on est rendu de milliards de bytes. J'avais 256 bytes, j'ai rajouté 1000 bytes de plus. Et j'entrais mes données au télétype. Et je sauvais ce ruban de papier. Parce qu'une fois que je rentrais mon programme et qu'il fonctionnait, puis je faisais allumer des lumières, puis j'étais capable de mesurer des temps de réflexe. Je travaillais avec un psychiatre de l'Institut de recherche clinique de Montréal, une assistante du docteur Bottez, qui a donné le réflexe de Bottez, qui est un grand chercheur de l'Institut de recherche clinique de Montréal. Donc, ça a évolué. Aujourd'hui, il y a plus de technologie dans un téléphone que les premières fusées qu'on a envoyées et le module lunaire qu'on a envoyé sur la Lune. Donc, il y a une évolution absolument extraordinaire. Par contre, à l'époque, puis là, c'est le grand-papa qui va parler, avant d'écrire une ligne de code, on y pensait. On vérifiait nos algorithmes, on vérifiait nos calculs. Aujourd'hui, c'est tellement facile de s'installer au clavier et d'écrire du code que je ne suis pas sûr qu'on soit plus efficace. Et là, désolé, là, je vais recevoir des tomates, une chance qu'on est en Zoom, mais je ne suis pas sûr qu'on soit plus efficace dans le développement de prototypes et tout, parce qu'on a tellement de moyens faciles qu'on n'a pas cette démarche intellectuelle-là de s'asseoir, de penser à l'algorithme, de penser à la méthode, de la vérifier ligne par ligne. Et ça serait un des petits conseils que je donnerais à mes jeunes là, qui arrivent au laboratoire. On entend là le professeur qui a une longue expérience. Effectivement, oui, c'est quand même extraordinaire, mais vous avez aujourd'hui des outils qui sont fabuleux par rapport à ce que vous... Ah ouais? Je suis sûr que c'est plus facile de modéliser une colonne vertébrale aujourd'hui qu'il y a 30 ans quand même. Oui, oui, tout à fait. Mais il faut toujours respecter le besoin, il faut toujours s'assurer de la validité, valider. On parlait de données probantes, on est dans un monde où maintenant il peut y avoir n'importe quoi qui est dit n'importe où.
Donc, la responsabilité reste la même, l'ardeur au travail reste la même, la rigueur doit rester la même. Oui, on a des outils extraordinaires, mais ça peut aussi, des fois, déraper parce qu'on n'a pas ce, on a moins ce souci de validation et de s'assurer qu'on respecte la démarche scientifique. On va considérer que c'est votre dernier message à tous ceux qui nous écoutent et aux étudiants que vous avez. Voilà, donc c'est la fin de cette première conférence des lauréats des prix d'excellence en recherche et création de l'Université du Québec. Je me suis entretenu au cours de l'heure qui vient de passer avec le lauréat 2020 du volet leadership de ces prix, Jacques Deguise, professeur à l'École de technologie supérieure. Jacques Deguise, merci beaucoup. Merci Yannick, ça a été un privilège de pouvoir converser avec vous. Comme je vous l'ai dit, vous m'avez été une inspiration extraordinaire. Votre livre en 76, je pense, de la santé. Puis 25 ans plus tard, un jour, la santé, c'est tellement inspirant. C'est tellement extraordinaire ce que vous avez écrit. Vous nous avez fait découvrir les espèces de gradients de santé qui entre l'ouest et l'est de l'île de Montréal, des gradients qu'on retrouve entre l'Europe et l'Afrique, du Nord et l'Afrique. Et vous avez fait découvrir l'importance de l'éducation, l'importance de la lutte contre la pauvreté. Et ça a été immense, c'est, entre autres, ces deux ouvrages-là que vous avez écrits et toute votre contribution le dimanche midi. À cette superbe émission et c'est un honneur pour moi d'avoir pu échanger avec vous. Merci. Je vous remercie beaucoup, Jacques Deguise. Je remercie aussi toutes les personnes qui étaient en ligne pour nous suivre. C'est donc Yannick Villedieu qui vous parle et qui vous dit à la prochaine.